Hallo liebe Freunde, willkommen bei dieser Lektion. Das ist die Lektion äh, 233. Ich werde heute weiter aus der Geschichte lesen, eine Frage der Gerechtigkeit und die heißt auf Französisch une question d'équité. Ich lese weiter auf Deutsch und im Flipchart gibt es die äh, Quatsch, ich lese weiter auf Französisch und im Flipchart gibt es die deutsche Übersetzungen wir wissen vielleicht wir haben äh, Konrad 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 und Agnes äh, in ihre Wohnung verlassen als Konrad der Agnes gebeichtet hat dass er eine andere Frau gleichzeitig geschwängert hat und daraufhin hat Agnes beschlossen ihn ihn rauszuschmeißen und die letzten äh, Zeilen äh, der letzten Lesung waren Agnès sagte zu ihr "Va ten fais tes valises et barre-toi." Also, geh, pack deine Sachen und zieh wenn du die ersten Episoden hören möchtest, dann das sind die Lektionen 230, 231, 232. So, und jetzt Ich weiter. Agnès, répéta Conrad, qui enfilait son pantalon, Agnès, je tiens à toi. Agnès, tu vas me foutre le camp, espèce de sous merde? Non, non, dit Conrad en se redressant, non, pas comme ça, pas comme ça. Agnès soupira. Tu veux qu'on se sépare en bons termes, c'est ça? C'est ça mmh Tu veux qu'on reste bons amis mmh Tu veux, tu veux qu'on reste bons amis, qu'on se sépare en bons termes, qu'on puisse aller, qu'on puisse aller boire un pot ensemble de temps en temps, hein Pauvre con, il veut qu'on se sépare en bons termes. Il comprend rien. Je ne veux pas qu'on se sépare, dit Conrad. Alors là, il aurait fallu y penser plus tôt. Allez, tire-toi. Qu'est-ce que tu vas faire Qu'est-ce que ça peut te foutre euh, Avec l'enfant Qu'est-ce que ça peut te foutre, bordel Dis-moi ce que tu comptes faire, j'ai besoin de savoir. J'en sais rien, mais... Je sais ce que je vais faire. Si tu ne te tires pas tout de suite, je vais te casser la gueule. Je le mérite, approuva Conrad. Oui, je le mérite. Bon, allez, tu vas aller faire tes putains de valoches, oui, maintenant. Et elle fit un pas vers lui. Conrad recula jusqu'à une grande armoire en frêne, et tendit les mains, paumes ouvertes vers le ciel. Je te demande pardon. Très bien, et maintenant, casse toi, grouille. Agnès, ça va trop vite, laissons passer la nuit. Non mais c'est pas vrai. Non mais c'est pas. Mais, mais mais quel ringard. Mais fou le camp, t'as compris? Fou moi le camp. Agnès avait prononcé ces derniers mots d'une voix sourde, en détachant les syllabes. Agnès, ma chérie, dit Conrad. Si tu ne fais pas tes valises tout de suite, je vais chercher un couteau à la cuisine et je te le plante dans le bide. Calme-toi, dit Conrad, les mains en avant. Calme-toi, je, je m'en vais. Conrad rassembla, Conrad commença à rassembler ses affaires sur le lit. Presse-toi, dit Agnès en lui jetant les slips et les cravates qu'elle sortait par poignées des tiroirs de l'armoire. Ah, tes que je les garde. C'est la seule chose à quoi tu tiennes. Ce sera ma modeste contribution à ton éducation. Elle lui apporta une vieille valise et un sac de sport. Tu peux garder la valise et le sac. Conrad se dirigea vers la porte. Promets moi de ne pas faire de bêtises. Oh. Je t'en prie. Promets le-moi. Qu'est ce que tu vas faire quand je serai dehors? Prendre un bain. Jure moi de ne pas faire de bêtises, dit Conrad d'une voix un peu étranglée. Comme tu prends bien soin de moi, lança Agnès d'un ton suave. Je n'ai pas l'intention de m'ouvrir les veines dans mon bain, si c'est ce que tu veux savoir. J'ai juste l'intention de me nettoyer, tu vois. Quand on a touché des trucs visqueux, hein, on a envie de se récurer en grand. Allez, voilà. Fous-moi le camp. Fous le camp. Conrad ouvrit la porte. Et presse à l'interrupteur de la minuterie. Tu n'es pas dans ton état normal. Je t'appellerai demain. Au contraire, je suis dans mon état normal. Ça fait des mois que je dormais, mais maintenant je suis bien réveillé. Ah, et rends-moi les clés. Conrad refusa après une hésitation. Bon, je ferai changer les serrures. Au plaisir de ne plus te revoir. <coughs> Agnès fit claquer la porte, alla dans la cuisine, prit une assiette, la projeta contre le mur, frappa du plat de la main contre la table, ouvrit la fenêtre, lança un chapelet de jurons contre les toits de Paris, s'assit et pleura. Au bout d'un moment, elle se mit à grelotter. Elle pensa à l'enfant dans son ventre, referma la fenêtre, ramassa les morceaux de l'assiette puis, tout en jurant, elle se fit couler un bain chaud. Le lendemain matin, en partant à son bureau, Agnès faillit buter sur le corps de Conrad endormi devant la porte. Mais qu'est-ce que tu fous là j'ai passé la nuit ici, fit Conrad. Non, mais t'es malade? Je tiens à toi. Va à ton bureau. Je passerai toutes les nuits sur le paillasson jusqu'à ce que tu veuilles bien discuter avec moi raisonnablement. Enfin, mais, mais tu es grotesque. Et qu'est-ce que vont penser les gens? Ça m'est égal. Mais à moi, non? Ça n'est pas égal du tout à moi, mes voisins. Un mec! sur mon paillasson. Tu m'as bassiné pendant des mois en voulant absolument garder ton studio pourri, et tu passes la nuit sur mon paillasson. Oh non, j'aurais eu droit à tout avec celui-là. Je croyais que je m'en étais débarrassé, mais ça commence juste. Je veux réparer les dégâts dans la mesure où c'est possible, dit Conrad. Je ne sais pas comment, je ne trouve rien à dire pour me justifier ou pour m'excuser, mais... Enfin, je ne sais pas, mais... En tout cas, je ne veux pas que tu... Je suis le seul responsable. J'ai fait une grosse connerie, mais je ne veux pas te mettre en retard en plus. Attends, attends. Conrad tira de sa poche un lourd trousseau de clés. Il détacha et tendit à Agnès deux clés, l'une mate et l'autre brillante, aux lignes compliquées et parsemées chacune de petites concavités. Tu vois, tu n'as pas à avoir peur que je rentre. Je garde seulement celle du hall. Comme ça, je pourrais venir dormir ici. Bis zum nächsten Mal. Ah ja, genau, genau. Abonniere, ich würde mich sehr freuen. Abonniere bitte und kommentiere. Und äh, ja, genau, und teile meine Videos. Ich würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Diese Geschichte ist schrecklich.